Libéria, ils n'ont pas de toilettes. Et qui t'a dit ça? Ah, ils n'ont pas de toilettes, mon frère. C'est ça, tu sais, tous les Guinéens. Je vais te dire une chose. Toutes les Guinéens épargnent comme ça. Tu comprends, non? Épargnent comme ça. Mais ils courent pour partir là-bas pour chercher d'argent. Ah ouais? Est-ce que tu comprends? C'est un pays de business. Tu vois? Il y a les CT des avis, tu vas là-bas, tu revends. Combien? Il y a l'argent. Tu peux gagner 200, 300, ça dépend là où tu travailles. Oui, par mois. Je te dis oui. Mais c'est dollar, c'est pas franc guinéen. Le franc guinéen quand même. Mon ami, tu voulais nous convaincre. Mais attends seulement. Il y a un petit là-bas. Ils sont de l'autre fille. Pour parce quitter que... à Libéria. Il a dit qu'il n'y a rien là-bas. Oui, parce que... On n'a pas de courant. Et là, il a. Mon ami, il n'y a pas de toilette à Libéria. Il y a pas. Non, tu as vu. Et ne connaît même pas là-bas. Il y a des gens qui parlent seulement et ne connaissaient pas là-bas. Pourquoi tu es quitté alors? Moi? Parce que je suis aventurier. Non. Moi, je suis aventurier. Tu n'es pas touriste. Moi, je suis aventurier. Attends, oui. Mais c'est forcé. Je suis aventurier. Je suis sorti pour chercher pour moi. C'est pas pour. Je ne dis pas que. Comment on appelle? Alors qu'il a dit, il y a tout là-bas. Il y a là-bas. Oui, mais. Il sort chercher ailleurs. Mais attends, voilà. Je vais te dire une chose. Laisse-les parler. Non, il ne veut pas que je vais parler. Non, parle, on t'écoute. Non, il a dit que là-bas, il y a l'argent. Oui. Ou bien oui. Alors qu'il est venu chercher l'argent ici encore. Il y a quel argent là-bas encore? Alors, hein? Voilà. Mais il s'est défendu, c'est un aventurier, mais il a gagné sa vie. Mais moi, c'est l'école seulement qui m'intéresse dans la vie. Pour chercher l'argent, ça, ce n'est rien. On est en train de parler seulement. Mais moi, non, on est en train de parler seulement. Alors qu'il est venu chercher l'argent ici, il y a quel argent là-bas? Voilà. Mais il s'est défendu, c'est un aventurier, mais il a gagné sa vie. Attends, je vais te dire une chose. Moi, c'est l'école seulement qui m'intéresse dans la vie. Alors cette histoire, c'est assez intéressant de voir cette dimension héroïque du trajectoire migratoire et cette volonté qu'ils ont tous de mettre en abîme ce parcours, cette expérience et d'utiliser le mot de l'aventure. Donc il y a deux différentes perceptions dans ce qu'on voit là, une perception qui est celle d'une héroïsation de la vie du migrant et des raisons pour lesquelles il a décidé de migrer, alors qu'on a deux autres personnes qui, eux, affichent clairement et revendiquent l'idée qu'il y a un intérêt économique aussi, que c'est aussi une question de survie, alors que pour le troisième, il y a cette héroïsation de cette trajectoire, de ce choix aussi, et cette mise en abîme du migrant en tant presque qu'acteur de sa vie, donc il devient un élément qui est... Il devient l'acteur de ce parcours et lui-même la seule raison pour laquelle il a voulu partir. Alors qu'avec les deux autres, on se rend bien compte que généralement, c'est tout un tas de raisons. Ça peut être des raisons économiques, politiques, sociales, qui vont pousser au départ. Alors que quand on met cette dimension de l'aventure en lumière, on a l'impression que c'est une volonté purement individuelle. Et on voit très bien cette différence de représentation dans la manière dont les migrants évoquent leur parcours migratoire avec leurs familles restées au pays. Quand on a des échanges avec les familles restées au pays, généralement, on n'a pas forcément accès aux difficultés du parcours, aux moments durs, au moment où du coup on va devoir gérer avec des passeurs, où on va devoir traverser marcher plusieurs kilomètres de nuit, ou trouver de l'argent pour pouvoir payer un passeur. Ces moments-là, on ne va pas nécessairement les avoir dans les récits de vie. Et les familles, en fait, vont plutôt avoir l'idée d'une facilité que pour leurs proches, la vie en France ou en Europe peut être assez aisée, qu'il peut trouver un travail. Et du coup, le migrant crée une représentation de son espace vécu une fois arrivé pour aussi faciliter la distance entre la famille restée au pays et la vie qui est quand même remplie de difficultés ici, qu'il expérimente dans le pays d'accueil.